Salut à tous les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, une vidéo découverte. Comme tu peux le voir, j'ai sorti le fond vert, ça faisait depuis 1920, je crois que je ne l'avais pas sorti. Et aujourd'hui on va tester Brawl Stars, un nouveau jeu Supercell, donc ceux qui ont fait Clash of Clans, Clash Royale et bien d'autres jeux qui ont sorti ce jeu-là, Brawl Stars, qui a fait un buzz de ouf il y a 2 mois quand il a été annoncé. L'hype est un petit peu redescendu, pourquoi? Parce qu'en fait le jeu est disponible actuellement seulement sur iOS et seulement sur le store canadien, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour l'avoir, il faut te créer un compte au Canada sur iOS, ce que j'ai fait, il y a plein de tutos sur internet, je t'invite à aller checker ça. Et après, télécharger normalement le jeu sur ton téléphone, sur ton iPhone, malheureusement pas encore sur Android. Et c'est la seule façon, la seule manière dont on peut se procurer le jeu pour le moment, sachant que le jeu de toute manière va sortir sur toutes les plateformes et dans tous les pays à un moment donné. Mais actuellement, il n'est disponible qu'au Canada, donc je me suis dit pourquoi pas le tester, puisque j'ai joué vite fait avec Valouz chez Eclipsia, c'était dimanche. Puis c'était plutôt sympa, donc je me suis dit tiens, je vais le télécharger et faire une petite vidéo découverte sur ma chaîne pour le montrer à mes abonnés, voir si vous appréciez. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus des familles sur la barre des pouces bleus en dessous et vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait, ou à vous réabonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, donc du coup, là je suis sur le shop. Évidemment, c'est un espèce de système d'invocation aussi pour avoir des personnages qui te permettent qui ont différentes capacités. À l'heure actuelle, vu que je viens de commencer, je n'ai qu'un seul personnage, comme tu peux le voir, le personnage starter que tout le monde a. Mais il y a tout un tas de personnages apparemment, je pense qu'il y en a même d'autres, mais pour l'instant je vois que cela. Il y en a 18, hein. 1 sur 18, donc il y a 18 personnages. Je crois que les deux d'en bas c'est des légendaires. Parce que je crois qu'il y a des... je sais pas si c'est marqué les bros, mais je crois que par exemple lui c'est un légendaire. Lui c'est un légendaire. Évidemment, pour ceux qui connaissent et qui jouent déjà, éventuellement, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et à me le dire. Mais en tout cas, ils ont... Enfin, les persos qui sont ici sont vachement stylés. Je sais pas s'ils sont fat in-game. D'après ce que m'avait dit Valouz, la princesse Peach, là, Piper, c'est la meilleure perso du jeu apparemment en ce moment. Donc à voir. Mais moi, je kiffe bien, là. Il ressemble au mec de My Hero Academia, là. Comment il s'appelle déjà, qui ressemble à un corbeau. Il y a Lilian qui est derrière le fond vert, vous le voyez pas, mais peut-être qu'il peut me dire qui c'est le mec dans My Hero Academia. Comment il s'appelle Je sais pas. Vous l'entendez? Je sais pas si vous l'entendez, mais il est juste derrière mon fond vert, on le voit pas. Ah, je sais plus. Tu sais plus comment il s'appelle, très bien. Bon, bref. Bon, on compte sur vous dans les commentaires. Corbeau. Oui, Black Corbeau, bien sûr. Donc le mec qui ressemble à un corbeau dans My Hero Academia. Enfin bref. Donc on va aller faire un petit peu de gameplay. De toute manière, j'ai débloqué qu'un seul mode de jeu pour l'instant, c'est le Smash and Grab. Je ne sais même plus exactement ce que c'est. C'est du 3v3. Ok, si, c'est le truc de cristaux. En fait, t'as des cristaux qui pop au milieu de la map. Il faut que ta team contrôle le middle. Tu récupères ces cristaux. Une fois que ta team a récupéré 10 cristaux, tu dois les garder pendant je sais plus combien de secondes. Et si tu arrives à les garder, eh bien, tu as gagné la partie. Donc, c'est parti. On va jouer directement contre des vrais gens. Donc, on risque de se faire rouler dessus. Parce que je suis totalement nul. Mais c'est pas grave. Let's go, les amis. Alors, pour jouer, en bas à gauche, tu peux bouger ton personnage, à droite, enfin, quand tu tapes après sur l'écran comme ça, tu tires, tout simplement, et comme tu peux le voir, j'ai une espèce de tête de mort, c'est mon ulti. Mon ulti se charge au fur et à mesure que je fais que je touche des ennemis, hein. Donc, oh, on a fait le premier kill, on a fait le first blood. Quand tu arrives dans les bushs, hein, dans les buissons, tu es complètement safe, les gens ne te voient pas. Enfin, ils t'ont vu rentrer, mais ils savent pas exactement ce que t'as fait. Oh, vite, vite, faut que je bouge. Merde, j'en ai tué un deuxième, mais malheureusement, je suis resté bloqué. J'ai pas réussi à bouger en même temps. Allez, let's go. Pour l'instant, les gars avec qui je suis ont pas trop bien compris le jeu, parce que on n'a pas récupéré beaucoup de... Oh là 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 là, là. Je suis avec des gros débutants de ouf. Ils ont 7 cristaux en haut à droite, tu peux le voir. Il y a la barre qui augmente. En fait, j'ai l'impression qu'on est que deux. J'ai un mec, il en... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font, là? Allez, go attaquer. Quand tu restes un peu en arrière, tu récupères ta vie. Ils ont 8 cristaux, à 10, il y a un chrono qui va se... Il y a que moi qui y vais, quoi, parce que là, on est en PLS en même temps. Mon ulti, peut-être? Ah, j'ai pas eu le temps de le balancer, putain, parce que je suis tout seul aussi, les bros avec moi. Allez, là, ils ont 10 cristaux. Ils ont 10 cristaux. 13 secondes, il y a un chrono, il faut vite aller les... Il faut vite y aller, il faut vite y aller, il faut vite y aller. Merde, j'ai fail. J'ai tiré, mon ulti. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Mais en tout cas, j'en ai buté un, je crois, et du coup, on a... Putain, j'arrive pas à jouer, c'est chaud de jouer et parler en même temps quand on sait pas jouer, en plus. Ils ont récupéré 10 cristaux encore. Il faut y aller, il faut y aller. Je l'ai one-shot.
Je l'ai one shot, on récupère les cristaux, on récupère les cristaux. Le sucre est en train de carry. Le sucre est en train de carry, les amis. Magnifique. Il faut se protéger. Il faut. Le but en fait c'est de toujours être en mouvement quand on frappe. Alors on est pas bien, non on est pas bien, moi j'ai plus de vie. J'ai vraiment plus de vie. On a 10 cristaux, on a 10 cristaux, on a 10 cristaux, on a 10 cristaux. Il faut se protéger, ils vont venir les chercher. Ils vont venir les chercher, il faut reculer. Il faut reculer. Il faut reculer Jean-Paul. Jean-Paul recule. C'est bon. 16 secondes. On a les 10 cristaux encore. J'en ai 7 sur moi. Il y a un mec qui en a 3 là, il va bientôt mourir. Je les ai récupérés. C'est moi qui ai les 10. C'est moi qui ai les 10. Mon ulti. Oh, ça lui a fait tarpin de dommage. Il a reculé. 11 secondes. Il faut me protéger. 11 secondes. Aidez-moi. Ma team. Vite. 4 secondes. Le sucre est en train de carry la game. Attention, mais c'est la victoire. C'est la victoire. El Sucre de la night. Qui a carry la game, même si c'est pas moi le star player, c'est le mec d'en face. On a réussi à win, on gagne des trophées. Étonnant, non, pour un jeu Supercell. Et du coup, tu gagnes aussi des coins, certainement qui te permettent après d'acheter, d'ouvrir des coffres, etc. Donc là, apparemment, je peux en ouvrir un, non? Ah ouais, c'est tous les 100 gold, tu peux prendre un coffre, je crois. Donc on va en open 1, on va voir ce qu'on va avoir dessus. Oh, un nouveau personnage, MDR, Nita. Nita Lifeus is the latest in a long time of tribal shaman. Our spirit animal is the baby, the big baby beer. Ok, d'accord. Ok, nice. On a droppé un perso. Je sais pas si c'était grave. Enfin, c'est peut-être obligatoire le premier coffre que tu ouvres quand tu commences le jeu. Peut-être, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, dites-moi ce que donne ce personnage-là. Est-ce qu'il est fat ou pas? Vous voyez, il a sa vie, attaque, super. On verra bien. Est-ce qu'on va le tester, genre? On va peut-être le tester, non? Vous en pensez quoi? Allez, on va aller le tester. On va continuer. De toute façon, on peut faire que ce mode de jeu là pour l'instant. On va prendre Nita. Je sais pas ce que ça donne, mais on va le prendre. Apparemment, il y a un ours avec nous. Donc, on va voir ce que ça donne. Player found 3 sur 6. Alors, sachant que le jeu est disponible qu'au Canada, on trouve quand même des parties assez rapidement, hein, je trouve. C'est pas trop dégueulasse. Allez, let's go. Collect crystal to win, ok? Alors, je sais pas du tout c'est quoi. Ok, j'envoie des rochers, genre. Et il y a les cristaux qu'on pop là au centre. Oh, elle a l'air stylée. Par contre, son con pour faire les skills est beaucoup plus. Oh non, j'ai fait le con, j'ai rushé comme un retard. Ah, j'ai fait le con, je me suis donné. Oh, lui il fait le tour, il faut qu'on l'a pas vu. Ah, mais attends, il a son. Oh, il avait son ulti. Bon, on s'est farmé de ouf là. Je sais pas où sont mes potes, mais on s'est farmé de ouf. Hein. Il a défoncé son. Il a le même perso que moi, lui en fait. Allez. D'ailleurs, on se faisait farmer, mais. Oh, les dommages, gros, que j'ai pris. Genre, what the fuck. Son. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Il y a l'ours qui a pop. Il y a mon ours qui a pop, c'est mon ultime. C'est mon ultime. Ok, ça servait à rien. Quand on récupère un cristal, j'ai récupéré un cristal. On va essayer de rester safe par ici avec le poteau. Aïe. On lui a mis cher. On lui a mis grave cher. On a bien joué là avec Chochotos. Ah, désolé si je regarde pas la cam, hein. Je suis concentré sur mon mobile. Nice. On va récupérer le cristal. Oh, vite, on se casse. On a récupéré 5 cristaux. On se fait chase. Mes potes, ils sont où, putain? On a un AFK. Ah, j'ai mon ours qui est là. On a un AFK, on est content. Hein. On a un AFK, donc on a 2 depuis le début de la game. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à revenir dans mon spawn. Et du coup, j'ai récupéré pas mal de cristaux, mais on est que 2. Hein. Aïe, 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 ils ont récupéré tout. Ils ont tout récupéré. Ouais, mais là on est 2v3 quoi, c'est chaud les bros. 2v3 en même temps. Faut buter. Oui. Oui. Non, c'est dommage, on était 2v3 toute la game. C'est dommage. Je sais pas s'il y a un système de report. Je l'aurais bien report. En tout cas, le perso est sympathique et là ça fait pas mal de dommages quand même. On a perdu 0 trophée, heureusement. Apparemment, collecte cell brawler, 7 brawlers. Faut que j'arrive à 52 pour débloquer ça, je crois. Collecte 3 brawlers to play. Ok, faut que je chope 3 personnages pour pouvoir débloquer. Ça, c'est 5 et ça, c'est 7.
D'accord. Donc pour débloquer les autres modes de jeu, il faut débloquer 3, 5 et 7 persos. Ce qui paraît plutôt, plutôt logique quand même pour pouvoir mixer les teams. Enfin bref, voilà, la vidéo s'arrête ici les amis, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi ce que tu penses du jeu. Pense à lâcher un gros pouce bleu des familles pour soutenir le sucre et la team la Sucre Army, évidemment. À 20h, je serai en live sur la web TV d'Eclipsia. Le lien sera certainement dans la description. Je t'invite à venir, on va faire du Dokkan Battle. Je te fais des bisous, pense à t'abonner, à très abonner. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à me dire si tu veux voir plus de Brawl Stars sur la chaîne. Sur ce, à plus. Ciao!